Du coup, sur ce tirage OGC Nice, t'aurais peut-être préféré Nîmes, toi? Bon, on a regardé le tirage, on savait qu'on était dans un gros chapeau, donc on allait sûrement tirer une grosse équipe. Après, comme il a dit le coach, il a raison, on joue la Coupe de France pour pouvoir arriver et tomber sur des équipes comme ça. Donc après, que ce soit Nîmes, Nice, Marseille, voilà, ce qu'on voulait, c'était sortir une grosse équipe. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le club aussi. J'espère qu'on va recevoir. Normalement, on devrait recevoir. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le club de faire venir un peu du monde ici et de faire une affiche en 32e de finale. Donc voilà, c'est à prendre avec aucune pression quelconque supplémentaire parce qu'on joue une Ligue 1. Non, au contraire, c'était quelque chose qu'on voulait, qu'on attendait, qu'on est préparé pour. Est-ce Donc, qu'il y avait de l'excitation dans le vestiaire, un peu, quand vous en avez discuté? ouais, il y avait un petit peu d'excitation, mais dans la période où on est, tout le monde est focalisé sur le championnat. Voilà, je dis honnêtement, c'est sûr qu'on joue aucun match pour les perdre, on joue tous les matchs pour les gagner, sachant la situation dans laquelle on est. Mais non, aucune pression particulière, parce que voilà, nous on sait notre travail, voilà, c'est le vendredi à 19h30 en championnat. Donc après, c'est du plus, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent, ça peut donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs, ou voilà, changer un petit peu le groupe, donc c'est un plus pour tout le monde, il faut s'en servir, mais c'est pas une pression supplémentaire à avoir dans voilà. Du coup, pas de pression, mais j'imagine que ça doit être un challenge sympa, sympa à jouer. Toi, tu as connu notamment le niveau au-dessus, niveau Ligue 2. Est-ce que tu vois un petit peu justement comme un challenge pour une occasion de se montrer au grand jour? Il y aura des caméras sûrement. Oui, après non, pas du tout, franchement, on pense pas à ça du tout. Je le redis encore, mais notre travail, nous, c'est le vendredi à 19h30, donc voilà, c'est un plus à aller chercher. C'est sûr que voilà, on sait que ben médiatiquement, ben, ce sera peut-être un peu plus médiatisé que les matchs du vendredi soir en national. Mais non, c'est pas une pression supplémentaire à avoir. Et franchement, on sait où nous on veut aller. Et voilà, notre championnat, on joue notre survie en championnat, ça c'est sûr. Donc ce sera pas une pression supplémentaire, et même par rapport au niveau, le fait que ça soit une Ligue 1, toujours une différence hein, avec la Ligue 2 avec la nationale, la Ligue 2 avec la Ligue 1. Donc voilà, ça va être une excitation, et voilà, à nous de prendre beaucoup de plaisir dans ce match-là. Le championnat, du coup, même question qu'au coach. Il y a un petit trou qui s'est fait après ce match du Mans. Est-ce que il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a plus de pression au moment de cette journée de championnat-là? De toute façon, la pression, j'ai envie de dire, depuis le début d'année, on est le Puy Foot, on sait, on est prédestiné, tout le monde nous voit descendre. Donc voilà, c'est la pression de jouer le maintien, on sait qu'elle y est. Voilà, c'est sûr maintenant, on a pris un bon hypercute aux mains. Je pense que ça peut nous faire du bien. Je pense que c'est un mal pour un bien. On aura plus de réponses vendredi soir après le match. Mais je pense que ça peut être un mal pour un bien. Voilà, nos matchs avant le Mans étaient constructifs, on sentait qu'on était à rien de faire basculer le match nul en 3 points pour nous. Voilà, donc avec le Mans, eh ben, ça nous a mis une claque. Je pense qu'on s'était vu un petit peu trop beau. Donc voilà, ça remet les pieds sur terre à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, ce sera le résultat de vendredi qui nous le fera dire. Mais voilà, faut pas lâcher. Nous, on sait qu'on est destiné à jouer le maintien cette année. On sait que ça va être dur. Ça sera pas, si on gagne pas ce week-end, ben, ça sera pas notre maintien. On va pas jouer ce week-end contre Bourg-en-Bresse. Mais voilà, à chaque match, il faut mettre l'intensité et l'état d'esprit surtout qu'il faut pour se maintenir. Voilà, faut que même si voilà, je pense qu'on s'est vu un petit peu trop beau. On a une qualité, on sait qu'il y a une certaine qualité dans notre groupe. Et je pense que c'est ce qui nous a fait un petit peu défaut, c'est qu'on sait qu'on a de la qualité. On pense que ça va suffire. Non, non, le maintien avec ces six clubs qui descendent là, voilà, ça va être l'état d'esprit qui va faire énormément et qui risque de changer les choses. Est-ce que du coup c'est un peu un remake de l'enchaînement Versailles-Cholet où vous aviez fait un super match contre Versailles et contre Cholet vous trouvez un peu derrière? Et là Martigues, pareil, on avait senti que c'était quasiment votre meilleur match de la saison et derrière le pire. Est-ce que c'est, tu l'as dit, vous vous êtes vu un peu trop gros? Est-ce que c'est un mal qui est malheureusement devenu récurrent, enfin si on le voit deux fois? Récurrent, non, je pense pas. Après, c'est des faits de jeu, c'est différent. À Cholet, on prend vite un rouge, Cholet est vite en supériorité numérique par rapport à nous. Là, c'est différent. Le Mans, c'est différent. Je pense que le Mans, si demain on aurait réussi à pas prendre de but hein, cette première mi-temps, je suis persuadé que le match aurait été différent. On n'aurait jamais pris 5-1, voire on aurait peut-être ramené des points de là-bas.
Donc ça joue à rien. On sait que ce niveau-là, eh ben, ça se joue à des détails. Des détails, eh ben, font que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et voilà, faut s'appuyer sur la, faut s'appuyer sur la claque qu'on a pris au Mans et tout faire pour que, pour inverser la tendance et d'aller chercher les 3 points et surtout à la maison. Voilà. Comment t'as senti le groupe après cette petite gifle? Ben, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile. Franchement, quand on va faire un match là-bas au Mans et qu'on est entre guillemets dans une période où ça fait pas mal de matchs qu'on n'a pas perdu, qu'on garde une certaine solidité défensive, puis qu'on sort du match, on a pris 5 buts, évidemment, ça a été compliqué. Hein. Je vais pas vous dire que j'ai passé un bon week-end et que voilà, non, non, pas du tout. Mais bon, c'est là où justement, où c'est important d'être soudé, où le groupe, faut qu'il soit ensemble, faut que c'est pas 11 joueurs, non, c'est vraiment tout le groupe. Donc voilà, dès l'entraînement, dès le lundi, de s'entraîner plus dur, d'être, voilà, d'augmenter, que ce soit l'état d'esprit, voilà, dans chaque petit domaine, il faut essayer d'augmenter pour aller chercher les choses, pour faire tourner les choses. Si on commence à se tirer dans les pattes ou voilà, d'être trop négatif, on sait qu'on n'y arrivera pas et puis qu'on restera dans cette dynamique de match-là. Voilà, non, nous, on est conscient, on sait qu'on, je redis, on sait qu'on est ici pour jouer le maintien, on sait que ça va être compliqué, mais voilà, on va se battre et on est bien conscient qu'il faut qu'on inverse les choses. Quel regard tu portes sur le match à Thiers, Coupe de France? Match de Coupe de France. Voilà, aucun match de Coupe de France est le même. Chaque week-end est différent. Voilà, on est tombé là-bas, c'était un match de Coupe de France. Voilà, on est tombé sur une vraie équipe de Coupe de France. Je pense qu'on a bien abordé le match. On gagnait 2-0 et puis inconsciemment, 2-0, on joue une R1, 2-0, 65e minute de jeu. Ben, automatiquement, je pense que beaucoup, on s'est dit, le match, il est plié. Puis eux se sont lâchés, ils nous ont mis le 2-1, donc ça nous a fait douter. Derrière, ils reviennent à 2-2. Mais on a eu la force de pas lâcher non plus, de pas dire le match il est fini, bon non on tient jusqu'au penalty, on verra au penalty. Non, on a poussé les dernières minutes. Momo nous a mis un beau but, donc ça nous a fait du bien. Après voilà, faut pas forcément tirer de conclusion parce que c'est des matchs de coupe, chaque match de coupe est différent. Comme le week-end, chaque match de championnat est différent. Donc voilà, je pense que l'équipe, le fait déjà d'avoir perdu 5e le dernier match de championnat et puis là, avec le scénario d'être capable de gagner à la dernière seconde, quand même, c'est mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, on va s'appuyer sur ça aussi, dans le fait de se dire, ben, on a été capable d'aller, même dans la difficulté, d'aller chercher un résultat. Est-ce que c'était un peu compliqué de se mettre dans ce match? On a senti après le Mans que tout le monde avait envie de retrouver un match de championnat pour se Ouais, racheter. Est-ce ouais. que du coup ce match de Coupe de France, on a senti que vous y étiez pas vraiment, enfin, que c'était un drôle de match un peu? C'est un drôle de match, et puis nous, ce qu'on voulait mettre surtout, c'était de l'engagement. Voilà, on voulait y être physiquement. Voilà, c'était vraiment la chose qu'on voulait mettre. Puis après, c'est compliqué. Voilà, on arrive là-bas, ben, je vais pas le redire, mais le terrain il est haut, et voilà, il pleut. Enfin, c'est vraiment un match de Coupe de France. Donc, quand on gagne 2-0, ben, je pense que tout le monde a inconsciemment a baissé d'énergie et de niveau. Puis derrière, ils nous ont fait douter, ils ont réussi à nous faire douter. Donc, oui, certes, on aurait voulu repartir avec la claque aux mains, on aurait voulu repartir sur un match de championnat, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça s'est fait là-bas à Thiers. Ça nous permet de tomber une Ligue 1 aussi aujourd'hui, de ramener du monde ici au club. Donc, c'est important aussi pour le club, pour la ville. Donc voilà, mais voilà, à la maison, vendredi, ça va être important. Voilà, c'est des matchs où il faudrait rien laisser passer. C'est des matchs de combat, on le sait. Donc voilà, maintenant, faut plus qu'à faire. On a le sentiment dans vos discours que ce match a quasiment pas existé. C'est comme si on était une semaine après Le Mans, que vous avez ce sentiment de revanche, que c'est comme si on était une semaine après Le Mans. Ouais, bien sûr, de toute façon, nous, dès le lundi après Le Mans, on avait qu'une envie, voilà, c'est de jouer Bourg-en-Bresse, on pensait pas forcément à Thiers. Puis je le redis, voilà, après, c'est sûr pour le président, pour le club, c'est beau, la Coupe de France, c'est bien, mais la survie du club se joue le vendredi, quoi, c'est le championnat, donc faut garder l'objectif bien en vue. Notre objectif, c'est voilà, c'est le championnat. D'un point de vue personnel, on sait que tu es un leader dans le vestiaire, tu aimes bien prendre la parole. Maintenant que tu as le brassard, est-ce que ça a encore évolué? Comment tu te comportes depuis? Non, pas du tout. Moi, déjà, c'est pas quelque chose dont déjà j'étais demandeur de une. C'est pas moi qui étais demandeur de ce rôle-là, parce que j'estime qu'avec le caractère que j'ai, le passé que j'ai et la carrière entre guillemets que j'ai derrière moi, je dois amener cette chose-là dans le vestiaire, sur le terrain. Voilà, c'est quelque chose que je fais naturellement. Donc voilà, le coach a voulu faire un changement parce qu'il attendait quelque chose d'autre du groupe.
dans cette période-là. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je prends sans problème et avec aucune pression supplémentaire parce que j'ai le brassard. Non, non, au contraire. Et puis que ce soit Greg ou Bat qui a le brassard, voilà, on n'a pas les mêmes caractères, mais on est fusionnel quand même. Voilà, il y a des choses où j'ai besoin de Greg ou des choses où j'ai besoin de Bat. Bat a besoin de moi. Enfin, on est quelques cadres, on arrive à être ensemble et voilà, de s'appuyer sur les qualités et les défauts de chacun, on en est conscient. Moi, voilà, j'ai tendance à des fois vite monter le ton. Voilà, bah, t'as un Greg et Bat qui sont à côté, qui ont tendance, eux, à calmer un petit peu plus. Et je pense que dans la situation où on est en ce moment, on avait besoin de remonter le curseur, comme on dit. Donc. Et justement, tu dis que des fois tu as tendance à trop monter. Roland en a parlé aussi. Est-ce que ce rôle de capitaine qui te donne plus de responsabilités peut te permettre aussi de te Oui, bien sûr, canaliser? bien sûr. Mais automatiquement, ça. Tu dois envoyer une certaine image où voilà, quand t'as pas le brassard, c'est différent. Voilà, là, je me dois de renvoyer une certaine image. Voilà, je peux pas me permettre de crier pendant 90 minutes sur mes joueurs. Non, c'est pas possible. Donc voilà, faut être beaucoup plus positif. Voilà, des fois, on a besoin à la mi-temps ou avant les matchs de mettre un coup de gueule, je le fais. Mais voilà, faut être beaucoup plus positif avec le brassard, encore plus. Donc voilà, c'est quelque chose que voilà, c'est nouveau pour moi. Hein. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille aussi, où je suis à l'écoute aussi avec le coach. Voilà, c'est quelque chose que j'apprends, donc je prends. Un regard un peu sur cette équipe de Bourg ou t'as pas trop trop d'infos? Oui, on sait que c'est une équipe joueuse. De toute façon, on connaît la qualité des joueurs. C'est un moment qui s'évolue aussi à ce niveau-là. On sait qu'il y a pas mal de qualités techniques, physiques. Donc voilà, après, franchement, je le redis, nous, on regarde pas forcément qui on va jouer. Hein. Puis dans ce championnat-là, tu joues, c'est une connerie, que tu joues un relégable ou le haut de tableau, on voit bien tous les résultats les week-ends, tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc voilà, on s'éternise pas sur l'équipe, on pense à nous, on construit nos matchs sur nous, mais on s'éternise pas sur l'équipe sur laquelle on va jouer en face.